tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un... Didi, haha, coucou la loulou. La mémoire. Est-ce que ça va aujourd'hui? Eh oui. Oui. Et les petits amis? On espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, vidéo, oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans la vidéo? Bah, on va faire quoi, des châtaignes? Ouais, des châtaignes. Donc une mini recette, on va dire, une recette. Alors ça, c'est une recette et ça, c'est une mini recette. Donc là, c'est la mini recette. Donc alors, comme vous avez vu dans la vidéo qui s'affiche où? Elle s'affiche où la vidéo? Ici. Ici. Non, ici. Ici. Non, là. Oh. Elle s'affiche ici. On a ramassé. On a ramassé quoi avec papa? Châtaignes. Châtaignes. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va les faire. Le cœur des châtaignes. La cuire parce que nous, on a envie de les manger forcément, ces bonnes châtaignes. Parce que là, c'est pas bon. Hein? Non, c'est pas bon. Pourquoi? Bah, c'est pas cuit. Ah, ne mangez pas ça, bah, c'est pas bon. Pourquoi t'as pas besoin de manger? Alors, pour cette recette, qu'est-ce qu'on aura besoin? Châtaignes. Des châtaignes, oui, forcément. Plein de châtaignes de notre école. Alors, dites-nous, les petits amis, dans les commentaires, tiens, si vous êtes allés ramasser des châtaignes, pourquoi pas? Bah, c'est la pleine saison. Et ensuite, il nous faut quoi? C'est quoi ça? Une plaque avec un papier cuisson, donc un papier sulfurisé. On va mettre ça. On a besoin de quoi encore? Pour mettre les châtaignes dessus, oui. Et ensuite, ça c'est quoi? Un couteau. Un couteau. En Roussane, on ne mange pas les châtaignes. Oh, mais tu as les sales. Pourquoi on ne peut pas les manger? Ben, on ne les mange pas quand elles sont crues, parce que quand elles sont crues, elles ne sont pas très très bonnes. C'est meilleur quand c'est cuit. Alors maintenant, on va vous donner une recette pour faire cuire les châtaignes, pour pouvoir les manger. Mais on va les faire cuire comme nous. Ah, mais on fait, ah, non, on mange pas les châtaignes. Comme nous, on n'a pas de... Parce que les châtaignes, on les fait normalement à la cheminée. On n'a pas de cheminée. Normalement, on les fait soit sur des flammes, donc sur un feu, un gaz. Nous, on n'a pas de gaz. Nous, on n'a pas de gaz, nous, on a une plaque électrique. Alors du coup, on va vous donner une recette pour les faire au four. Alors, après les châtaignes, la plaque, le film, le couteau, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un... On va faire quoi? Un trou. On va faire un trou dans les châtaignes. On va prendre le couteau et on va faire un trou. Oh, ça c'est un marron. Oui, aussi. Marron chaud qu'on va faire, on va faire un marron chaud. Donc les petits amis, là, il va falloir faire un trou comme ça, une incision. Donc surtout, n'utilisez pas le couteau sans un adulte parce que c'est très dangereux. Et on peut se couper un doigt. Voilà, et on peut se couper un doigt. Donc une fois qu'on a fait... N'importe quoi, me manger. Une fois qu'on a fait l'incision ici, donc sur le côté plat de la châtaigne, on va le poser sur la plaque. Donc vas-y, j'essaye de faire un trou. Enfin, une incision avec ma main. Ah, toi aussi? Oui. Et bien chacun son tour alors. On fait pierre, feuille, ciseaux alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Ah, alors on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Ah bah non. Alors maman elle va fermer les yeux, elle va désigner un gagnant. Non, c'est le couteau qui va désigner un gagnant, vous allez voir, regardez. Alors là, la pointe, vers celui qui est le pointe, et ben c'est lui, d'accord? Donc c'est Océane qui commence. Voilà, donc c'est Océane qui commence comme ça. D'accord. Ah vas-y, donc là on prend le couteau. On prend la châtaigne. Il est où le côté plat de la châtaigne? Il y a un côté rond et il y a un côté plat. Ok, donc là je vais t'aider. Viens au milieu. Donc là je vais t'aider. Hop, attends, tu me fais peur. Donc là voilà, c'est très dangereux les amis. Donc voilà, une fois qu'on a fait le trait, tac, on enlève. À toi, Corentin. Il est là, le côté plat. Vas-y, hop, pose-le parce que j'ai peur que tu te coupes tes petits doigts. Donc tu le poses, je le tiens. Vas-y, tu le plantes dedans. Et là. Et bah, plus tard, on n'a pas de muscles. Hein. Et donc, Sam est toujours en train de manger. Voilà, donc on a fait une belle incision. Voilà, on y est arrivé. Donc là, on va faire toutes les châtaignes et après, on va les mettre au four. Donc, on fait toutes les châtaignes, mais
On va pas tout filmer parce qu'il y en a beaucoup et puis Océane est en train de manger. Et vous êtes fous ce soir. Allez, on insiste, toutes les châtaignes. Ouais, c'était des lunettes. Alors on a terminé, voilà, on a fait des trous. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Les petits trous. Regardez, elle va me frapper. Tu t'es pris un marron. On a fait les trous. Enfin, les incisions, du moins. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, Lulu? Ah oui, on va les faire cuire à 200 degrés et 20 minutes. Pendant 20 minutes à 200 degrés, si vous avez entendu. Donc, allez hop, au four. Alors, le four a été déjà préchauffé. Alors, on y va, on met ça au four. C'est tout pour moi. Les amis, c'est cuit. C'est chaud. Ah ouais, alors les petits gourmands, c'est chaud. Regardez les petits amis. Regardez-moi ça. Mais qu'on va se régaler. Regardez comme elles sont cuites. Waouh. Alors, elles croustillent. Qu'est-ce que tu fais avec ta chaussette de Père Noël, toi? C'est pas encore Noël. Oh bah n'importe quoi. C'est presque. Alors, écoutez, les petits amis, ça croustille, écoutez. Voilà, elles sont craquantes. Comme quand on va les chercher. Alors, on va en ouvrir une, voir si elles s'épluchent bien. Et là, voilà. Miam, écoutez. Oui, Quentin adore les marrons chauds. Enfin, on dit les marrons, mais ce sont des châtaignes. Ouais, elles sont super bien. Tu veux goûter? Les châtaignes et les marrons. Tu veux essayer d'enlever? Ah, moi je goûte. Vous savez comment on peut reconnaître les marrons et les châtaignes? En fait, les marrons, ils ont une petite queue. Ah, les châtaignes ont une petite queue. Oui. Et les marrons, ils en ont pas. Eh oui. Alors, je me goûte. Attention, c'est fou, hein. Ah, trop bon. Et toi? Lâche-moi. Elle veut pas que je l'aide, bah tant pis, nous on se régale en attendant. Vous goûtez? Toujours pas. Vous goûtez? Vous voulez? Non. Non, pas lui. Moi, c'est à moi. C'est à moi! C'est à moi! T'as mis la gomme? T'as vu? C'est trop bon, les gommes. Mais j'adore ça. Tu vas finir. Par contre, c'est dur à avaler, les châtaignes, c'est vraiment nourrissant, les amis. Et puis, oui, parce que moi, j'en ai goûté une à l'école, mais j'aimais pas. Océane n'aime pas trop les châtaignes, oui, c'est vrai. J'ai essayé d'avaler. Par contre, Corentin, il adore ça, et moi aussi, j'adore ça. Alors, les petits amis, vu qu'Océane n'a pas fini de pucher sa châtaigne, hein, on va prendre un peu l'avance. Donc, dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de mettre un petit quoi? Zéro. Un petit pouce comme ça. Deux, trois, quatre. Et si c'est pas déjà fait, ben ouais, comme elle l'a dit, Océane. Abonnez-vous. Ah ouais, t'appelles Océane maintenant. C'est belle Océane. Abonnez-vous. Allez, ciao, ciao les petits amis. Et puis nous, en attendant, on vous dit bon appétit. Si vous la regardez en même temps que vous mangez. Trop bon. Bien. C'est bon.